Et salut tout le monde, c'est Steam, on se retrouve sur The Callisto Protocol. Alors qu'est-ce qui est arrivé à la première colonie ? Abandonnée. Tout comme le reste de Callisto. Jusqu'à ce qu'ils construisent une prison. L'UJC doit bien gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, non ? Surprenant qu'il y ait encore du courant. Ces vieux générateurs de fusion ont été construits pour durer. On dirait que le hangar est toujours en train de s'effondrer. Oui, l'ascenseur devrait être droit devant. Sur la carte, il y avait une route de service quelques étages plus bas. C'est peut-être un moyen plus rapide d'atteindre la colonie. J'espère que ton plan va pas nous tuer tous les deux. C'est de pire en pire. On devrait se dépêcher. C'est ici, c'est ça ? Ouais. Mais je vois pas l'ascenseur. Merde. Il est HS. J'espérais qu'on aurait de la chance. Mais cet endroit tombe en ruine. Il doit y avoir un autre moyen de descendre. Alors trouvons-le. Allez, viens. Fais gaffe ! C'est bon, ça va. Merci. Je peux voir un autre chemin. Je te rejoins. Sois prudent. C'est pire que je l'imaginais ici. Allez. Ce truc va tenir ? Essaie de pas y penser. Alors, soit là... Ouais, non, je dois être par là. Ou pas. Peut-être juste un truc à ramasser. J'ai trouvé une échelle. Je descends. Ouais, vas-y, vas-y. Par ici. J'ai trouvé l'accès de service. Allez, c'est pas si loin. Plus que quelques pas. Dépêche. Je te tiens. Allez. Non. Jacob. Elle m'a poussé.
Non. Voilà. Oh putain, il y en a d'autres. Ouais, non, mais vous êtes trop nombreux là. C'était quoi ça, Danny? Je sais pas comment, mais ces choses sont ici aussi. Mais elles sont différentes, plus anciennes. Elles réagissent au son. Si tu peux m'entendre, je vais essayer d'atteindre le centre de transport. Ok, bon. Là, on fait rien, ça doit être là-bas. Non mais ça va, on a compris. Ne faites pas de bruit. Bah oui, non mais... Ne faites pas de bruit plus une flèche. Ça m'énerve ça. Il y a de plus en plus ça dans les jeux. C'est insupportable. Le pire cette année, ça a été God of War. Utilise ton bouclier. Fais machin, fais truc. Attention derrière toi. Utilise une technique. L'enfer quoi. Et puis là, c'est reparti. Putain, mais c'est pas possible. On a compris en fait. On n'est pas débile. Je dois rester discret. Oui. Oui, oui, en effet. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut pas faire de bruit, là. Ah, mais ça, c'est dangereux si j'utilise ça, peut-être. Après tout, ils m'ont dit de pas faire de bruit. C'est bon. Il y en a d'autres. Tu m'as vu. Ah, tu m'as vu, tu m'as entendu plutôt. Oh putain, il y en a un autre. En plus, tu rigoles pas, toi. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est un plan pour un pistolet tactique. Bah, écoute, on va faire un peu de place. Ça, faudrait que je le vende, le décodeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et voilà. Il y a une reforge en dessous.
Eh oui. C'est dégueulasse. Bizarre, j'ai pas réussi à récupérer mon autre arme. Tellement galère ce menu. Oh putain! Le pire c'est que j'ai tiré. J'ai tiré dans ce truc. Le plan est envoyé. Il coûte 600. Mais ça reste un pistolet, quoi. Cadence de tir élevée. Franchement, c'est la même chose, quoi. Qui a un mode rafale une fois qu'on l'a amélioré à fond. Mais de ce côté-là, on a des balles explosives, donc bon, à choisir. Bref, on va déjà vendre des trucs. Le reste, on le garde. Ça, j'aime bien le blocage cassant, parce que c'est vrai que parfois, avec des petites ou des grosses attaques, quoi qu'il arrive, l'ennemi, il peut bloquer. Et ça arrive tout le temps, en fait, à chaque combat. Et là, on pourrait casser carrément le bras. Donc du coup, on se ferait pas enchaîner derrière, je pense. Activation de la chaîne d'impression. Assurance qualité effectuée. Du coup, avec ça, on va être bien, bien, bien. Et avec le gun de base... On va augmenter les dégâts. Inspectez l'élément imprimé avant utilisation. L'UJC vous remercie de votre productivité. Et s'il me reste assez... Ah, il va pas me rester assez pour avoir les balles explosives. Ça pourrait être cool, ça. Je vais garder, à la limite. Il va me manquer 1100, c'est beaucoup, mais après, si je ramasse des trucs comme on a eu là, que j'ai vendu 2x500, ça peut valoir le coup. On continue. Oh putain, il m'a fait peur. Ah là, j'ai flippé, là j'avoue, j'ai flippé. Là, j'avoue, j'ai archi flippé.
Attention! Enfoiré. Je l'ai vu arriver, je me suis mis derrière le mur, mais bon, il n'y a pas de miracle pour ça. Ok, vous êtes trois. M'avez-vous vu? Enfin, m'avez-vous entendu? Je ne pense pas. Je pense que je suis un peu tranquille. Ah ouais, 4 même. Je peux les foutre là. Le problème c'est que c'est un peu loin pour le coup. Ok. Non! Oh merde! Avec ça, ça aurait été tellement simple. C'est des saloperies ces trucs là. Je l'ai ramassé, ouais. Je sais pas pourquoi ça... Ah oui, j'ai plus de batterie, d'accord. Ah merde.
Est-ce que j'ai de la batterie? Putain, non, j'en ai plus du tout. Où vais-je? Ah bah, il y a une échelle, j'avais pas vu. J'avais vu la flèche, mais j'avais pas vu l'échelle. Putain, vous êtes combien ici? Alors bizarrement, ce qu'on vient de faire ne fait pas de bruit. Mais bon, on a un peu l'habitude dans les jeux vidéo. Ils rendent fous ces cons. Oh yo yo. Eh merde. C'est très bien que je peux pas m'en sortir là. Attends, à moins que. Ok, pas mal. Je m'en suis sorti, je crois. Eh oui, putain, j'en ai buté plein ici. Avec l'explosion. Je pense qu'on a au moins 3. Ouah, c'est un sacré miracle, hein, quand même. Et en fait, je me suis fait baiser par un qui était derrière moi. Genre à côté de la bagnole. Oh putain, là-bas il y a un truc, c'est sûr, je vais aller voir vite fait. Ouah, vous êtes relou en vrai. Putain. Si je meurs, je dois tout me retaper, c'est impossible. Ouais.
Putain, mais non, mais tu crois vraiment que c'est le moment de lancer le menu, là? Je voudrais juste... Voilà. Oh, le bordel! Putain, j'espère qu'il y a un truc. Hein. Ah mais genre, c'est le vrai chemin qu'on doit prendre? Bah attends, je vais aller voir ici vite fait alors. Tu crois que je peux monter directement? Putain, il va falloir que je tire dessus. Oh, ça vaut le coup. Ah bah non, mais c'est verrouillé en fait. Ah. Eh oui. Donc quoi qu'il arrive, c'était le bon chemin. Ce doit être le centre de transport. Bon, la reforge ne servira à rien, on va juste voir vite fait ce qu'on a, et s'il y a moyen de vendre un truc. Il y a un truc à vendre au moins. Voilà, ça... Ouais, il va m'en manquer, hein. Ça va être tendu, cette histoire. Après, je m'en sors bien pour l'instant, enfin... Ça vaut le coup d'attendre un peu, je pense. Si jamais c'est trop la misère, ouais, j'achèterai un truc alternatif. Je dirais que ça va me mener à la colonie. J'espère que Danny est là-bas. Merde, y a pas de courant. Putain, mais tous les coffres, ils passent au rouge. Ils doivent mener un générateur. Où ça? Après, est-ce qu'avec la carte que j'ai là, je peux pas retourner où je voulais aller? Bah ouais, c'est là. Voilà. Eh oui. Évidemment.
1, 2, 3, 4, j'imagine. Ouais. Là-bas, c'est beaucoup trop loin. Oh merde. Putain. Je m'enferme. Là, je m'enferme, je le sens. Les coups de couteau, c'est un miracle en vrai. Parce qu'il y a aucune chance que ça marche dans la vraie vie. De se la jouer discret comme ça. Mais putain, ça marche. Putain, c'est un sketch. Ça m'inquiète parce que je vois pas comment... Ah si, je vais pouvoir passer là. J'avais peur de les toucher, mais je pense que ça va le faire. Ouh ! Putain, bah si, tu peux te cacher en fait avec ce truc. Ah mais t'es mort ? J'ai réussi à te toucher ? Ok. Tous les systèmes sont opérationnels, paramètres normaux. Et bah déjà 1400 hein. Le jeu est un peu plus généreux sur la fin là. Ne touchez pas. Bon, de toute façon, je peux pas, donc ok. Il y en a un là. Un là. Putain, il y en a partout en fait.
Vraiment? Ah ouais. Il y en a un derrière moi. Bah merde, il est parti où le truc? Oh la connerie! C'est vraiment la zone la plus angoissante depuis le début. Parce que... il y a plein de moments où tu vois que dalle. Et il y a beaucoup beaucoup d'ennemis. Vraiment, c'est énorme la quantité d'ennemis. Ok, attends. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs possibilités de passage ? Ah oui. C'est pas mal tout ce qu'on a ramassé là. Mais genre c'était une zone annexe ? Ouais, ça a l'air.
Ah ouais, 1000. Trop bien. Bah du coup, on peut se permettre d'acheter les balles explosives. Et ouais. Et du coup, il nous reste 815. C'est ça, je vois rien sur l'écran, c'est un truc de ouf. On pourrait peut-être améliorer autre chose, comme notre fusil à pompe. Amélioration des dégâts du fusil à pompe et du chargeur. Chargeur, c'est 900. C'est 815 qui me reste, c'est ça. Putain, on voit rien, sérieux. Les armes améliorées avec le mode de tir alternatif offrent une plus grande puissance de feu et utilisent plus de munitions. Ah. Maintenez la touche L2 enfoncée pour regarder dans le viseur et appuyez sur la touche R1 pour utiliser le mode de tir alternatif. D'accord. Donc c'est ça, et le tir avec R2, c'est avec R1. Je trouve qu'on ramasse beaucoup de trucs quand même ici. Hein. Ah, de la lumière. Enfin, peut-être. On dirait que 3 disjoncteurs sont connectés au générateur. Putain, mais on est venu ici. Ah merde, on est venu là. Bah, c'est quoi ce merdier? Ah oui, non mais ça peut pas être là, c'est pas possible. Trouver le premier disjoncteur. Voilà la bombe, enfin la balle explosive. Bon, c'était pour vous montrer, hein, mais on va utiliser ça gentiment.
Du coup, il me faut deux fusibles encore. Ah, il y a une échelle là. Vous ne m'avez pas vu. Numéro 2. Plus qu'un. Je vais tenter de l'empaler, mais c'était tendu. Oh le bordel. Vraiment, vous m'avez entendu? Le courant est activé. Je devrais retourner sur cette plateforme. Mais quelle plateforme, en fait? Ah, ça fait du bien d'y voir quelque chose. Ah, ça doit pas être là déjà. Jacob, t'es là? Le courant vient de revenir dans la colonie. Renforce le signal. Oui, je me dirige vers la colonie. Je te contacterai quand j'y serai. Je dois rester discret pour l'instant. Fais demi-tour, fais demi-tour.
T'embête pas, ça... y a rien là-bas. Non, vraiment? Non mais, enfin... T'es amoureux ou quoi? Ok, je vois où nous sommes. D'accord. Ah oui, la fameuse plateforme. Ça, je t'ai détruit tout à l'heure. Ok. Tous les systèmes sont opérationnels, paramètres normaux. Ouais, donc 987. Et j'avais dit que... Je sais plus ce que j'avais dit. Chargeur de grande capacité pour le pompe, on va passer de 4 à... Inspecter l'élément imprimé avant utilisation. À 8 balles, j'imagine. Ouais, 8 balles. Oh. Eh oui. Eh oui, oui, oui. On peut ouvrir tous les coffres maintenant. Le problème, c'est que l'inventaire est plein. Mais l'avantage, c'est qu'on a la reforge à côté. Faites votre sélection. Donc on va vendre des trucs. Bon, les balles, je vais les garder quand même. Surtout les petites balles, parce que maintenant, elles consomment plus avec les gros tirs, si jamais j'en fais. Il reste une batterie et un truc de soin. On va dire qu'on s'en tape pour l'instant. Là, je peux rien récupérer. Oh, on est bien, on est bien. Départ de plateforme de transit de marchandises. C'est parti. Prochain arrêt, station Argas. Ok. Je comprends mieux pourquoi on avait autant de trucs dans les coffres. Prochain arrêt,
Merde. Ça marche bien aussi ça. Oh putain. Bon, c'est réglé. Presque. Ah bah il m'a rendu complètement fou cet enfoiré. En vrai j'ai recommencé un bon paquet de fois. Et le fait de commencer avec très peu de points de vie, ça a été très compliqué. Bref. Station d'Arcas.
Danny, je suis là. Super. T'es où exactement? Une sorte de tunnel de service. Je suis de l'autre côté. Continue. T'es presque à la colonie. Bien les amis, bah écoutez, on se retrouve très vite pour la suite. Et la fin du jeu, il doit rester 1h30 je pense. Donc on se retrouve très vite pour la suite. Ciao tout le monde.